c'est ce bizarre de son compilation de 4 jeux. Aujourd'hui, c'est pas 3, c'est 4 jeux, voilà, c'est... On s'en bat les couilles. On commence avec Dress Code Human, c'est un jeu extrêmement simple, on va juste devoir habiller un squelette, mon gars. Et on en a marre des émissions M6 où ils mettent juste des vêtements, là, nous, on veut mettre de la peau sur les os. D'accord. C'est un peu ça, là, je vais pas vous mentir. Je me sens un peu mal. Attends, mais 2 minutes, c'est chaud, mon gars. Ah ok putain, en fait quand je trace c'est beaucoup plus... Merde, sur le mur. Merde, j'ai sali le mur. Ah par contre quand j'ai mis la chair je suis baisé, je peux plus la retirer quoi. J'ai intérêt à gérer. Juste l'impression de me coller des pommes de terre partout sur le corps actuellement. Mais je suis vraiment en train de prendre beaucoup de plaisir. Ah merde, y'a plus de peau là, c'est fini. Oh oui, on met les yeux mec, c'est magnifique. Ah oh, c'est friand mon gars. Suivant. Ah oui, celle-là est parfaite. Celle-là est parfaite. Voilà, ça fait kiffer les filles, c'est un homme qui sourit, un homme qui fait rire, c'est très bien. Oh non, j'aime trop celle-là, attends mec. Je veux celle-là à la place. Voilà, il nous faut un pif, on va être un pif. Arrête de bouger, mais quand tu veux que je t'avise, si tu bouges, putain, c'est super chiant. Merde, des oreilles, putain, mais ça on s'en fout. C'est pas important ça. Allez, on lui met la plus grande paire, comme ça il entendra. Au loin. Un tatouage tribal, mais oui. C'est magnifique, avec un tatouage de chat sur le mollet et un couteau sur le bras, on est bon. Ok, des cheveux bleus, une bobarde de hipster. Aussi beau que tu pouvais l'être, prêt à faire la fête? Ouais. Oh putain. Wouh. Attends, on est carrément plus stylé que les deux autres mecs. Non, on a géré, on a fait un travail monumental. Mec, on s'est buté, hein. Franchement, cheveux bleus, barbe blanche, ça me fait grave. Allez, je suis bon. Ok, on est maintenant sur Prison Brawl, on est un ancien super-héros et on travaille maintenant dans une prison. C'est une retraite normale pour un super-héros finalement. Et on va devoir remettre les prisonniers de leur cellule parce qu'ils font que de la merde, hein. Ils font les zigotos, j'avais pas dit ça depuis 2008. Donc on va les stopper. C'est quoi, quelles sont les touches? D'accord, donc ça c'est un gardien efficace. Mais putain, mais c'est sérieux? Oh, oui, viens là, viens là. What? Mais qui envoie des bombes mec dans la prison? Ah, je vais les défoncer, je vais les savate. Comment je peux en attraper un? Oh, je l'ai. Oh mon gars, comment je le tiens? Ah, faut qu'on le ramène. Viens par là, fils de pute. Open door, viens là. Eh mais je laisse pas faire nous. Tu arrêtes. Tu vas dans ta cellule. Voilà, fils de pute. Nope. Mais tu fais quoi? Et dehors. Tiens, petit enculé. Tu fais quoi toi? Allez viens. Wouh. Attends mec, on a jamais un gardien aussi efficace. Allez viens par là. Tiens. Nope. Suivant. Tiens. Tiens, petit enculé, je fais le mouliner mon gars. Il faisait pas ça ton ancien gardien, hein. Et ça dégage. Ok, on est bien. Oui, c'est le moment. Bim, j'en prends deux. Oh là là, regardez cette beauté. Allez, viens là. Oh shit. Tiens, je te secoue comme un sac à merde. Ça dégage, voilà, allez hop. Suivant. Balayage, je rigole pas. Je te chope. Oh. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'arrêter. Allez hop, suivant. Bra, je te prends. Allez, viens, allez, viens. Ah, non, il va s'enfuir. Eh, mais toi, t'es mort, toi. Viens là. Allez, bolos. Oh. Viens par là. Allez, plus que 4, mon gars, on est promu. C'est quoi ce délire? Mais non, mais je suis bugué là. J'ai une jambe coincée dans le mur. Mais non, mec, j'ai une jambe coincée dans le mur. Mais non, en plus. Non, Paul, non, me laisse pas là. It's been a long day without you, my friend. J'ai vraiment bloqué ma jambe dans ce mur. Et ça c'est un ex super héros, ça. J'ai jamais vu Iron Man avec une jambe bloquée dans le mur. Ah non, mais du coup, il y a tout qui a refaire, mec, c'est trop relou. Tu restes à terre. Ah, je me suis cassé le pied contre le mur. Je suis le pire héros du monde, mec, on a jamais vu ça. Allez, viens là. Oh, c'est violent ce que je lui ai mis. Tu dégages. Vous arrêtez votre petit jeu, bande de grosses merdes, et toi, tu viens. Oh. Des fois, c'est violent avec ce qu'il met. Hop là, je sais pas lequel je prends. Tiens, tiens, tiens. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Putain, mais c'est horrible la vie de ce mec. Il va finir avec une putain de scoliose. C'est terrible. Bra, bra. Allez, putain, je peux le faire là, j'en ai marre. Oh oui, oh, on fait ça bien avec lui. On a fait ça dans les règles. Ah bah, parfait. Mon gars, livraison chronopost. C'est parti, ça dégage. Allègrement, au revoir. On s'est mis bien. On s'est mis très très bien. Les amis, bienvenue dans YouTube Rétro. À l'heure où la 4K commence à être dans 0,1% des foyers, nous allons faire tout l'inverse, c'est-à-dire regarder des choses en HD, pas en HD. Je suis vraiment pas doué en tant que narrateur. Bon bref, en gros on a une télé, ici on a YouTube. Par exemple, on va taper Jean-Michel, c'est un YouTuber que j'apprécie grandement. Et on va vouloir regarder la méga compile des Jean-Michel avec Cadmerad. Comment je fais ensuite? Attends, c'est dur, hein. Ah putain, c'est hyper dur. Finalement, j'aime bien la 4K qui marche bien comme il faut. Est-ce que j'ai réussi? Attends. Request accepted, your order will be dispatched, so on. Oh putain, je crois que j'ai réussi. C'est pas si simple que pour regarder une vidéo YouTube dans la vraie vie. Alors, j'ai commandé une cassette. Où est la cassette? Putain, je me crois au Vidéo Club en 2004, là. Où est la cassette? Vidéo délivrée, merci d'avoir utilisé YouTube. Ah, bah là, voilà la cassette, putain. Du coup, là, on se retrouve avec la méga compil des Jean-Michel. On va la mettre là. Et voilà, la vidéo YouTube apparaît sur cette petite télé. La compilation des chanteurs inconnus. Pour la première fois, que des chanteurs pas connus du tout. Il ne chante que 50% de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à moitié. C'est un beau roman. C'est une romance.
On a mis la meilleure vidéo du monde pour ce jeu, quoi. Ok, ok. Et si je prends une vidéo récente? Si je prends par exemple. Putain, je suis en train de faire la commande de la cassette avec le putain de caméra dans faux. C'est une horreur cette vidéo. On est en train d'attendre la cassette. J'en ai marre de ces chansons. Vidéo délivrée. Oh putain. Oh oui. À l'ancienne. À l'ancienne. Mais attends, c'est... l'intérêt est donc de regarder une vidéo en HD encore plus dégueulasse qu'en 240. Fantastique. Il manquait plus que juste sorte en réalité virtuelle et c'est... on est plus puceaux que jamais. On est maintenant sur Incrediped, après un jeu qui n'a aucun intérêt, un jeu qui a un petit intérêt. On commence par le premier niveau et c'est une sorte de coop, sauf que tu joues un monstre dégueulasse vert, mais vraiment dégueulasse. Voilà. Bon, j'ai déjà envie de passer au jeu suivant. C'est quoi ça, mec? Ça n'a aucun sens. Il faut qu'il aille toucher une cerise, c'est ça? Non mais mec, jamais il marchera. Jamais il marchera. Ah, ok. Non, non mec, je repars dans l'eau. On en est là. On est au premier niveau et on en est là. Déjà, ce truc ne ressemble à rien, mon gars. On dirait un coton-tige mixé avec une paire de testicules. Je suis désolé, mais c'est la vérité. C'est quand même le perso du jeu vidéo le plus laid de tous les putains de temps. Trouve la pomme! L'objectif de jeu vidéo le plus incroyable au monde. On doit trouver la pomme. Ah, vous avez vu, c'est pas le même, là, mon monstre. La pomme s'est envolée. C'est pas bien? Si, c'est bon. Putain, super. Ah! On peut ajouter les muscles nous-mêmes. Vous voyez? On peut dire ici, je veux un muscle qui va dans ce sens. Et ici, je veux un muscle qui va dans ce sens. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça a l'air cool. Mais c'est super, j'ai fait un super monstre. Je peux même jouer à une main. Comme sur téléphone. C'est génial. Les muscles avec ça bougent à l'opposé des muscles avec ça. Bah, on avait compris. Ça arrive un peu tard, cette explication. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie, là? Mais mec, mais... Ah. Allô? D'accord, je comprends, j'aurais fait pareil à ta place. Voilà, c'est ma copine qui vient de me larguer. Franchement, en vrai, est-ce que YouTube rétro, c'était pas quand même mieux? Est-ce que se mettre une petite cassette, c'est pas la meilleure chose qui pouvait arriver dans cette vidéo? Non, mais franchement. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison. Qui avait une drôle de maison. Cette petite compilation de jeux, ça m'a bien fait marrer. J'espère que vous aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Voilà, je pense qu'on a fini sur une note géniale. Clairement, Rétro YouTube s'impose comme le meilleur jeu de cette vidéo. Ça indique bien le niveau de cette vidéo quand même. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans cette prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde, peace.